Salut à tous les amis, aujourd'hui on est à Saint-Quentin-en-Yvelines pour le départ de l'EcoTrail de Paris version 80 km. L'année dernière j'avais fait le 30 km, aujourd'hui j'ai fait la passe sur le 45, je passe directement au 80. Donc une première pour moi, l'arrivée à la Tour Eiffel au premier étage d'ici ce soir, donc je sais pas trop à quelle heure. Manon va me suivre un petit peu sur la journée tout au long du parcours. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. J'espère que je vais pouvoir sortir la GoPro le plus souvent possible, mais avec le temps, je vous garantis rien. Je fais de mon mieux. On se retrouve sur la ligne de départ. C'est parti. Et aujourd'hui, je suis partagé entre deux techniques de course, deux tactiques de course. Celle de partir vite pour arriver le plus vite possible, puisque demain, je réenchaîne sur un autre trail de 30 km. Ou partir plus tranquillement et me préserver, sachant que si je vais vite, je dors plus ce soir. Et si je vais lentement, je dors moins, mais je suis moins fatigué. Donc voilà, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Je pense que les premiers kilomètres vont vite me dire comment réagir. Tous ensemble, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Kilomètre et jusqu'ici tout va bien. J'avais pris la décision de partir tranquille et du coup je suis parti un peu vite, donc depuis le 17e kilomètre j'ai ralenti, je contrôle. Il y a beaucoup de parties très très roulantes, ce qui n'est pas mon avantage, donc je fais comme je peux. J'ai les jambes qui commencent à devenir un peu dures, mais bon, c'est normal. La pluie et la neige se sont invitées au programme, donc des conditions qui sont pas faciles, mais c'est le trail, il faut faire avec. Mais donc pour l'instant on continue la route vers la Tour Eiffel et je retrouve maintenant d'ici 3 km environ. Et on est à peine au... on n'est pas à la mi-course et je suis impressionné de voir le nombre de gens qui sont déjà en train de marcher sur le plat, qui sont pas bien. Je ne dis rien parce que je sais pas si ça va pas m'arriver, mais je suis très très étonné. Il paraît que c'est ça l'EcoTrail. Ah oui, et si vous vous demandez pourquoi j'ai mis une casquette alors qu'il neige et qu'il pleut, sachez que moi aussi je me pose la question. J'en sais rien, mais j'aime bien ces casquettes, donc j'en mets toujours une pour aller courir sur les trails. C'est un peu ma marque de fabrique. Thank you.
pas si certains d'entre vous sont déjà allés en enfer ou s'il y en a qui prévoient d'y aller. Mais moi, ça fait 10 km que je suis en plein dedans. C'est des conditions horribles. Je n'ai jamais vu de conditions aussi horribles, ni à l'entraînement ni en course. On a de la boue jusqu'aux chevilles. Il fait froid, il neige, il pleut. Enfin, c'est horrible. C'est très très dur physiquement. C'est très très dur dans la tête aussi. Donc, on s'accroche comme on peut, mais c'est pas facile. Regardez toute cette neige. Je pense qu'il n'y avait rien ce matin ici. Qu'il en soit, j'en suis au 45e kilomètre et pour l'instant ça va toujours à peu près bien. Et comme si ça ne suffisait pas, le vent vient se mêler à la fête. C'est génial. C'est génial. Ça y est, on vient de passer le 48e kilomètre. Donc on vient de passer l'observatoire de Meudon, là où avait lieu le départ du 30 km que j'ai fait notamment l'an dernier. Ce qui veut dire que il nous reste plus ou moins 30 km à faire avant d'arriver à la tour Eiffel. Et ben les jambes commencent à vraiment tirer beaucoup là. Mais le moral. Tiens bon. Et là c'est des ouf. Le mec vient de s'enquiller 48 bornes. Pieds nus. Dans la boue, la terre. Et il lui en reste 30. Chapeau. Respect même. La nuit est tombée à une vitesse folle. En une demi-heure, il a fait nuit. Et on est maintenant à peu près au 60e kilomètre. Alors j'ai eu un gros coup de mou entre le 50 et le 55. Entre le 45 et le 55 peut-être. Et donc j'avais plus les jambes. L'impression de plus avoir aucune force. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais pas beaucoup mangé en fait. Donc, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai attendu un petit peu. Et c'est revenu. Et là, j'ai les jambes. Donc, c'est parfait. Il reste pas très longtemps avant le dernier ravito. Avant de voir Manon, et puis avant les 10 derniers kilomètres sur les bords de Seine. Mais bon, course très compliquée mine de rien. Très compliquée dans la tête, très compliquée physiquement, même si là ça va mieux. C'est la reprise de la saison de trail n'est pas facile. Les amis, je viens de passer le 70e kilomètre. J'ai plus de batterie sur ma frontale. Donc ça sent bon. Ça c'est l'esprit trail. Et après on est parti pour les quais de Seine jusqu'à la tour Eiffel.
amis, j'ai un gros souci. On est au 76e kilomètre et je vois pas la tour Eiffel. Alors je sais pas ce qu'ils en ont foutu. Ah si, ça y est, je la vois. Oh. Ah bah elle est encore loin. On voit pas le haut tellement il y a de brume. C'est une fin de course horrible parce que on est sur les quais de Seine depuis à peu près 5 km. C'est chiant, c'est plat, c'est sur du béton. Mais il n'y a pas de boue. Ça y est, on y est. On est en train de monter. Je me presse pas, je profite. Je crois que si je devais choisir une seule raison pour laquelle je suis venu courir ce 80, c'est celle-là. Peut-être. C'est tellement magique. Il y a aussi un truc qui va être dingue, c'est que dans moins de 3 minutes, elle va se mettre à scintiller puisqu'il sera 22h. Et je serai dedans. Ça risque d'être très joli à voir. C'est pas beau ça ?